Salut à tous. Alors voilà, je vais partir pour un voyage de entre 6 mois et 1 an en Océanie. Donc il y aura l'Australie, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Et donc la grande question, ça a été de savoir ce que j'allais mettre dans mon sac à dos. Parce que je prends pas de valise, je prends un sac. Je trouve que c'est plus facile à transporter. Donc en plus, on aura aussi bien chaud dans le désert australien que plutôt froid dans les montagnes de Nouvelle-Zélande. Donc ça a vraiment été un dilemme de savoir quoi prendre parce qu'il faut aussi bien des habits chauds que des gros pulls. Donc voilà, je me suis dit que je ferais cette vidéo, ça peut peut-être inspirer certains. Du coup, je prends tout ce qui est matériel de photo, un ordinateur pour sauvegarder les photos, une serviette en microfibre, comme ça prend moins de place, un plaid au cas où, parce que dans le camping-car, je sais pas exactement ce qu'il y aura comme drap, un gros pull, parce qu'en Nouvelle-Zélande, il fera pas si chaud, il fera dans les alentours de 15 degrés dans l'île du Sud, même en été. Avec deux plus petits pulls et un gilet pour les soirées un peu fraîches. J'ai trois pantalons, dont un qui est en matière bien fine pour ne pas avoir trop chaud dans le désert. Là aussi dans le désert, j'aurais besoin de deux t-shirts anti-UV, protection UV. Des t-shirts à manches longues obligatoirement. Et donc ça j'en ai deux, plus deux t-shirts à manches longues normaux, avec quatre t-shirts. Une paire de chaussures de plongée pour marcher dans les récifs qui peuvent être coupants. Une paire d'espèces de baskets très fines. J'ai pris ça parce que ça prend pas de place dans la voiture. Je les ai trouvées à Decathlon et ce sera bien plutôt que les chaussures de rando. Ah, et j'ai aussi, super important, un filet anti-moustique à mettre au-dessus du chapeau en fait. Pour dans le désert, apparemment, c'est infesté de mouches. Donc voilà, c'est pour au moins protéger le visage quoi. Et voilà, j'ai réussi à faire tout rentrer dans mon sac de 50 litres. Il pèse 7 kilos. Donc c'est vrai que je ferais pas forcément une randonnée avec parce qu'au final, bon, 7 kilos c'est pas grand-chose, mais sur le dos ça fait quand même assez lourd. Mais pour l'instant, ça fait une semaine que je suis en Australie et il me manque rien. Donc on verra maintenant quand il fera un peu plus froid ce que ça va donner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder mes vidéos plus vlog sur les paysages et de ce que je fais en Australie et ce que je ferai en Nouvelle-Zélande si ça vous intéresse. Allez, à bientôt!